Et oui, j'étais assis sur la chaise et je ne ressentais aucune douleur. J'ai fait un bond et je me suis penché. Oui, je n'avais plus mal au dos et je n'avais plus de douleur. Oui, il y a 40 ans, j'ai commencé à avoir mal au dos. Et cela a duré pendant plus de 20 ans. J'ai vu plusieurs médecins, y compris des heilpraktiker. J'ai pris aussi de nombreux médicaments. Avec les années, en vieillissant, ça devenait de plus en plus pénible lorsque je travaillais au jardin. Si je devais me pencher, j'avais immédiatement mal au dos. De même, quand je devais bêcher, je ne pouvais alors pelleter que trois ou quatre fois. Après quoi, je devais me redresser jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Pendant des années, j'ai été, en effet, opérateur de machine dans une usine de câbles. Et en 1975, j'ai dû modifier une machine. Il y avait un tambour lourd que j'ai dû soulever. Et tout d'un coup, dans mon dos, a craqué et je ne pouvais plus bouger. Tant ça faisait mal. Et oui, j'ai été transporté à l'hôpital. Ils ont fait des radiographies. Oui, on a alors constaté une usure des disques intervertébraux. Et les médecins ont dit, on ne peut pas faire grand-chose. Vous devez vivre avec. Vous devez faire des travaux légers. Et faire attention de ne pas soulever de charges lourdes. À cette époque, je suis alors resté 8 semaines à la maison. Je pouvais à peine m'habiller. Ma femme devait toujours m'aider à mettre mes chaussettes, car je ne pouvais pas lever les jambes. Je suis quand même parti en vacances, mais toujours avec des douleurs. J'étais content que les vacances soient terminées et de rentrer à la maison. Et la première semaine après notre retour de vacances, ma femme est allée chercher un magazine. Elle prend toujours la revue de loisirs, mais il n'y en avait plus. Elle m'a dit, j'ai pris la revue actuelle. Alors j'ai lu un peu cette revue actuelle et là, j'ai vu guérison par voie spirituelle suivant l'enseignement de Bruno Gröning à Cologne. Et j'ai vu comment les gens sont assis avec les mains ouvertes. Et j'ai pensé, j'aimerais aussi essayer ça. Et en 1991, j'ai été alors introduit à l'enseignement de Bruno Gröning. J'ai pu réellement accueillir cela avec mon cœur. Je pouvais vraiment, vraiment ressentir que c'était bien. J'ai tout de suite senti que c'était vraiment quelque chose de bien, quelque chose que je cherchais depuis des années et que je n'avais pas trouvé. Et après, on m'a demandé ce que j'avais ressenti.
Et oui, c'est ressenti typiquement au bout des doigts. Et je n'avais plus du tout pensé à mon dos. Et oui, j'étais assis sur la chaise et je ne ressentais aucune douleur. J'ai fait un bond et je me suis penché. Oui, je n'avais plus mal au dos, je n'avais plus de douleur. Et quelques semaines plus tard, j'ai fait trois déménagements. L'un d'eux, celui de ma plus jeune fille, du troisième étage vers le bas avec des choses lourdes. Et tout le monde s'étonnait. Comment est-ce possible? Je peux seulement dire, je l'ai vécu. Et une fois que vous l'avez vécu, vous êtes convaincu. Et de cela, tous ceux qui cherchent la guérison doivent s'en convaincre. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant de pouvoir à nouveau tout faire et qu'il me soit permis de le faire. Que je puisse pousser sur la balançoire mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants et les prendre dans mes bras. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand cadeau qu'on ait pu me faire. Pour cela, je remercie Dieu le Père et Bruno Gröning de tout mon cœur. Merci.